patrie, une république, une Afrique qui fait la promotion des valeurs africaines. Aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel. Nous allons parler d'une valeur africaine que vous connaissez, Simon Kimbarongo. Nous commençons par lui parce que nous pensons qu'il est l'un des plus grands, sinon le plus grand. Probablement dans d'autres émissions, nous parlerons de Kipavita, nous parlerons de André Matua, qui est mon tonton, qui est mon papa, qui est mon ancêtre. Alors, chers téléspectateurs, je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur. Je suis une voix d'Afrique, mais tout autour de moi, il y a d'autres voix africaines. Hein, il y a Christella qui depuis un moment bouscule les choses de par sa belle voix de femme. Il y a Arlette aussi, justement, qui depuis un moment se fait remarquer positivement avec sa voix, avec son intelligence, avec tout ce qu'elle a. Les deux sont aujourd'hui mes co-animatrices. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi Alexis Bongo, que moi je considère, que j'appelle le grand, le leader. Mais pour aujourd'hui, il n'y a pas que l'équipe de Convergence et Révolution Culturelle. Il y a aussi les sapeurs. Caméraman, s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Donc aujourd'hui, il y a aussi les sapeurs que moi j'aime beaucoup. La culture de chez nous. Bonjour. 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 Est-ce que vous allez bien? Super. Alors, aujourd'hui, c'est l'émission, mais en même temps, c'est la fête. Parce que Simon Kimbarongo, là où il est, il n'aimerait pas qu'on pleure toujours, qu'on pleure pour lui. Aujourd'hui, nous allons parler de lui avec beaucoup de joie. Nous représentons la cité, nous représentons le Congo, nous représentons la RDC, nous représentons l'Afrique. Alexis Bongo, Simon Kimbarongo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Merci Dixon. Au moins que Mboko a vu ses alliés, le Congo a trois langues nationales. Hein? Donc, on nous a imposé le français, mais toi là qui n'as lingala, toi qui n'as kituba. Et le public qui suit généralement la télé est composé de ces gens-là. Donc, aujourd'hui, ça a été un grand plaisir. Au moment où on veut se lancer dans un thème comme ça, où on va essayer de décortiquer Simon Kimbarongo, tout le monde a raboué. Baya ya bakomaki, ba sapeur, très bien habillé, élégant, ba tout bazo bundé la culture en beau cannabiso. Et en moi, l'occasion, mon an, nabiso lelo, te se poser mille et une questions d'abord. Parce que tant que tu as Simon Kimbarongo, Mathieu André, un tel, Maman Gunga, tout le bar nabiso kaboué, Théophile Benga, tout le bar kaboué, mais ce qu'on s'occupe à tout ni, yo suko et ebini ni nali kambango, donc moi, la ce qu'on va verser, ou me belé belé, ou tout le bon. Baya ya bana kata compétition sap. Mais la minute yo to ba pe nengeni ni bango ba yebeli moto wana est-ce que ba yo kaka mwa likambo donc en français on kituba on teke on vili on lari on va dire toutes les choses ici pour tout témoigner ni ni to yoka pour que demain ceux qui nous suivent ils peuvent intervenir par le 45 45. Hein, avec leur simertel ba kokiko benga biso ba lobape témoignage ndengeni ni bango ba yebeli moto wana. Ou encore, Bakimbangi, exactement, les animés. Donc, pour que tout se décrispe, tout bête, l'anonymisme qui m'a dit, voilà, tout ce que la fête va s'appeler, on va aller à la plateau. Donc, je pense que M. Alexis a le béli de façon claire, ma cambo. Maintenant, avant que n'a pas sali l'ouba, n'a pas sapeur, n'a biso. Na kopesa rapidement le lobana Christella, hein, Christella Simon Kimbarongo lelo tazali ko lobela Simon Kimbarongo. Pona yo azali nani tope komo wa ezali ko lobela yo nini. Reste à savoir sur Christella et Bilingala. Justement, j'allais m'excuser parce que le Lingala et moi je t'attends un peu et j'aimerais pas Tatouni. Donc, je vais répondre en français si vous me le permettez. Simon Kimbarongo est un nom que j'entends souvent parler. C'est une personne que j'ai très souvent entendu parler, mais qui concrètement je ne connais pas exactement qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi son nom reste autant dans l'annal des noms importants de l'Afrique. Et aujourd'hui, en ayant l'occasion de débattre là-dessus, j'ai l'opportunité de mieux savoir qui est Simon Kimbarongo, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il reste éternel jusqu'à ce jour.
Très bien. Bien qu'il soit mort, il faut le notifier. Ok. Alors, à ma droite, il y a Arnett. Très rapidement, Arnett. Naïbi que yolo baka pelinga la malamu. Simon Kimbango. Azali nani panayo. Est-ce que ce yoka kombo? D'accord, merci Bisso. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, je vais lire. Pour nous permettre, Pena Bassata, on a vu sur Bazali, Awabazalana, une petite idée de qui est Simon Kimbangu. Alors, Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Kamba. Il est mort le 12 octobre 1951. Donc, il est mort à l'âge de 64 ans. Considéré par ses fidèles comme un envoyé spirituel congolais, prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 à Kamba un mouvement religieux qui donnera naissance au Kimbanguisme. Alors, il est très évident que Tokokite Kolobana, Tata Simon Kimbangu, sans parler du Kimbanguisme, parce que Yemoto a bâti ça ici, je peux dire, mouvement wana. Wana pona ko lendi sa pona ko introduire pour aider aussi nos téléspectateurs. Très bien. Alors, Mathieu, ma téléspectateur, ma koyoka. Parce que tu as dit que ça peut, on dirait. Mais les lobes qu'on comprend que Bayebi, Makambamboka, Bayebi politique, Bayebi leader africain, Bayebi, Nako Bandana Kotoy. Simon Kimbango, Motonion Sazali Loba, mais et cause à la langue à ordre, mais sinon tu es Motonion Sazali Loba. Sazali Biakozali Loba. Tu bandis la maman à Bisoukouna. Merci beaucoup, vous avez beaucoup de maman, tu n'as pas la concernant. Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Au bani na moi présentation maman. Comme on a Marianne Fuma de la SAP internationale. C'est à dire moi quand quatre c'est ma sapeur. Ouais c'est pour l'exafier. T'es un bon capot pour l'exafier. Donc pour nanga papa Simon Kimbangu. N'a pas joué le cola nani. Ndenge na ebelie a sali moto moyindo pour te valoir te motale bosonza makena ke sali moto moyindo. Donc mondele nde atisima. Donc, tata Simon Kimbangu, à ça qui me semble belé coléka. Natango wana ba l'église des années 84 qui Simon Kimbangu ba protestant, ba armée de salut donc ba catholique. Donc toi va ka wana. Donc Simon Kimbangu, à ça qui me semble belé, à ça qui na miracle belé vers ça qui me semble belé. Donc nako yema moi nti mon qui pour nako l'excité. Papa Simon Kimbangu, à ça qui monte le bosso, à ça qui moyindo. Très bien. Kimbangu a mon ami poelele, na miso ya biso banso. Degenene bino banti mi bozali kwa bunga e. Ami la ki si poelele, ete moli mo santo. Bolanda maloba ma ebo kobika. Wana tango wana, isana ki na kacha nkamba. Nkamba zali ko toka ba ura zali ko buta bipay ba Etats-Unis, ba Paris, partout de le monde entier. Zali ko kenya nkamba. Nkamba koma ki loko la Jérusalem. Donc na ebi. Histoire, il y a papa Simon Kimbangu. Merci. Très bien. Tu te détruis là. Je suis Boye, dans le Boka Mobali, Simon Kimbangu. Maintenant que tu fongolis déjà match et bandit, tout bandit, tout le Boka. Beaucoup qui peuvent la parole. Oui, je me présente Nino Valente et le Moussoussoumbi. Donc, c'est le roi de pièces rares, mais à part SAP. Toi, n'as pas père spirituel. Donc, selon l'histoire, même si vous rentrez dans Google, c'est bien écrit. Simon Kimbangu a envoyé à Jésus-Christ sur terre. Donc, tant que tu es dans le continent africain, toi, tu n'as pas de le cola, tu n'as pas Moïse, Abraham, chez Bissou Amiindo, ils ont prêtré Simon Kimbangu. Donc, Simon Kimbangu a été un Kimbangu cité. Pour battre nos soirées baratées, Azapona Mototou, Ozala, Armée du Salut, catholique, Kimbanguiste, ainsi de suite, Aza prophète noir. Donc, Bato Bisso, tu peux valoriser, Nakibongo Yindo, Nabisso, Ezaba Sima Kimbangu. Voilà, donc, Atika, Makambo Bele, Oyo, et ça, là que Bato Batika a toujours na, connaissance, Nai. Azala toujours, Azala Kawana, le Kola, Batanga, Bavu, Nabisso, Nesson Mandela, pour Nababundela Bamboka. Simon Kimbangu, malgré ma cambo église, a bougné la pibe mboka, n'a pas mindele. Puisqu'on était un peu intimidé par les blancs, il y a eu un bandanet, moi, révolution, il y a eu un donc voilà, vous êtes ici, nous sommes chez nous. Donc, à combattre ma cambo belé, quoi.
C'est un peu ça. Très bien. Est-ce que. Puis, allez-y. Bon, bon, t'es là, Luloba. C'est moi qui suis bandit. Ouais, c'est Guy Mouzungu, Saint Mouzungu, vrai Mouzungu, l'incontestable, incontournable, élevé dans les conditions hyper normales. Mm-hmm. En fait, la légalité est que on va essayer de rentrer dans la spiritualité. Vous allez constater une chose, notre sœur était explicite de dire clairement, c'est les années 1887. Alors, pendant la dite période, partout au monde, il y a eu conférence de Berlin. Donc, ils ont eu de peine pour diviser, en fait, l'Afrique. Mm-hmm. Alors, pendant la dite période, on a grand prêtre, le leader en Afrique, concernant la spiritualité. Pendant la dite période, cela signifie Simon Gimbangu est déjà, en fait, les années 1880 là. Vous allez constater en 1921 que le monsieur a commencé à faire ses œuvres. Alors, regardez convenablement, essayez de bien analyser, vous allez constater que non, c'est une grande personnalité qui a fait beaucoup de choses agréables. Mais là où je constate que non, les Gimbangu se veulent trébucher d'une façon continue sur ça, en fait, le monsieur était contre la religion en fait européenne ou la religion en fait étrangère. Mais vous allez constater que quand on écrit, moi ça me fait un peu mal, quand on écrit l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Alors pour moi, ça devrait être plus explicite, c'est-à-dire de dire clairement c'est lui qui est le leader en Afrique concernant la spiritualité. Alors sur ça, si réellement nous sommes en harmonie sur ça, je serais hyper ravi. Mmh. Cela signifie nous, Africains, on ne doit plus associer au fait, quand on fait des mélanges hétérogènes, ça ne fait pas beau. Mmh. Faisons des mélanges homogènes. Cela c'est fait prenant au fait le vrai source. Parce qu'Angamba, c'est une grande personnalité, pas seulement Angamba. Actuellement, on appelle ça la nouvelle Jérusalem. D'une façon déductive, certes, mais nous en Afrique, même Nga, on a boulé déjà, on a déjà passé un esprit, donc la finalité pour moi, c'est dû adhérer. La finalité, on va adhérer au fait, et puis on va faire émerger la chose. Parce qu'avant que Simon Gimbangu, on arrivera très loin. Avec lui, ça sera au fait ce que ça pourra donner en Afrique. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui se disent que c'est là. Oui, bien évidemment. Moi, je vais, excusez-moi, vu que c'est un débat, je vais vous contredire. Je vais contredire maman et les deux messieurs qui ont intervenu. Mmh. Vous avez dit... C'est deux grands sapeurs. C'est deux grands sapeurs. Voilà, c'est deux grands sapeurs. Mmh. Et madame et, aussi, oui, pas maman. Oublier. Mmh. Moi, quand vous dites qu'il est l'envoyé spécial de Jésus-Christ en Afrique ou au Congo-Brazzaville, qu'il est la représentation d'un prophète envoyé par Dieu pour sauver l'Afrique, pour sauver le Congo. Moi, je ne suis totalement pas d'accord avec vous. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, ne pensent pas la même chose que vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'il n'est pas du tout l'envoyé spécial que vous dites, l'envoyé de Dieu que vous êtes en train de prôner depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des preuves beaucoup plus claires qui prouvent que Simon Kimbangu était l'envoyé de Jésus-Christ? Montre-toi à cause de l'Iloba. Oui, allô, bon, en fait, je me présente. Je m'appelle Christian Benavio, mm-hmm. et dans le mot de la SAP, on m'appelle Monsieur le maire. Mm-hmm. Monsieur le maire de Bakongo. Voilà, donc en fait, pour parler un peu de Simon Kimbangu, personnellement, moi, j'ai vraiment entendu un peu ces miracles. Mm-hmm. J'ai écouté un peu ces miracles, tout ce qui se passe là-bas, même à Kamba là-bas. Mais sauf que quand on parle, ce que vient de dire ma madame ou ma demoiselle, je ne sais pas. Christina. Christina. Madame, voilà. Je veux être peut-être avec elle pour dire que moi, personnellement, je ne suis pas trop sûr dans ça, de dire que voilà, c'est moi qui m'en fous, je ne sais pas, l'envoyé de Christ en Afrique. En fait, je ne suis pas peut-être à cet avis-là. D'accord, voilà, merci beaucoup si vous permettez. Que ce soit ce que Christina a dit, que ce soit encore ce que notre frère ici a dit. Monsieur le maire, ok, d'accord. Mmh. Ce qui est là, lorsque nous lisons même les Écritures dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens que nous connaissons comme Moïse qui ont eu à faire des choses. Mais ici, nous sommes en train de parler de Papa Simon Kimbangu. Moi, je crois que c'est quelqu'un que Dieu a eu à utiliser, à Saliba Makambwe Bele. Oui, parce que même dans Marc, la Bible les a colombés, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, vous allez guérir les malades. C'est-à-dire qu'on a combo na Yesu. Maintenant, le problème qui se passe ici, c'est que
les Kimbanguistes, bah, comme ici Papa Simon Kimbangu, une élevé, lui, basana slogan, le Jésus-Christ, Simon Kimbangu, Saint-Esprit des Africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce que Nakatia Bible, le temps où tu as Ephésiens, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Et Zamba le Binamiso, que je vous enverrai le consolateur. Donc, tant que tu as dit appuyer que tu as Saint-Esprit. Donc, c'est comme si que, oh, Zambé, à l'obaki, Ezayango, c'est comme si ton Dieu, sous Batinde, pour la Batomissus, et pour la Bissoba Africain, et comme il t'attend, Tata Simon Kimbangu. Moi, je dis non, il y a un esprit d'égarement qui est là. Donc, soit on est avec Christ, soit on n'est pas. Parce que ton coquette est causé à la mélange qu'on est, une déconnabiso qu'on a le bis, soit Tosa, il y a Papa Simon Kimbangu. Mais Nazali Karako Ningako Lobake, tant que vous avez Azali Saint-Esprit envoyé pour les Africains, il y a un esprit de garement qui est là. Certes, c'est quelqu'un au Nzambe, nga naza konzima a saliba makambu ebele ebele, mais koko mako éveillé na niveau oyo a commis le kola, si je peux dire égal na Yesu ezali bongote vraiment ce qui moto azali na liloba ya ko. Très bien, mais oui. Oui. Nazo se présenter. Nga MG. Donc nga côté na nga ndenge na yebi Papa Simon Kimbangu aza tout simplement prophète. Hein? Parce que ndenge exemple Bakimbangis bande konapso Kimbangis ndenge bazo komatisa net Papa Simon Kimbangu. Donc côté na bango babinga kayé Nzambe. Zomona. Bon, ndenge zawana il faut pas que toza la nakata bombruyo moi. Parce que côté na ngai tout justement, dès que j'ai l'histoire, il y a Simon Kimbangu, a tout simplement prophète, à l'obapé, à Makambo, actuellement, peut-être comme ça. Donc, à Fongolaka, Bisso Misso, avant, la période de Mindele, il a menacé. Ok, Mindele, il a comme si, à prophète, a un message, Nzambe a inspiré na Katinae. Un jour, continent africain mis ce côté de fondam parce que ma makambo il y a loba et ma profession atikande oyo to koma komona de bon c'est pour cela Alexis Tomming na ba torture donc a eu même pas le temps de vivre le col andenge biso tozo vivre un peu à l'aise ba menacé titi jusqu'à côté yo ba yi ko bomé ayo kufa. Donc, or que la période en ce qui bisous au fond, maka mis sur le col en zélo, il y a un autre tracé pour prendre un africain et n'a pas à la mieux. Mais n'est bon à mon kilbal baba et baka et l'oka valeur ce qui est bon. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Mais n'a la lignina le belo comme au bouillard, puisque émission à l'élo, les alliés exception. Jusqu'ici, n'a évité ce qui bat les spectateurs, baso mon local en gaille, moi ma lili yali. Mais n'a lingi, nzunzu et kota, moto et pela. Voilà. Et puis, Simon Kimbangu. Azalaka kaka motamoli moté makamba culture net papa le biawa aloba ki makambo salami na continent d'Afrique yango tozo tout na lisusu bino nini bino bo yebi oyo Simon Kimbangu aloba ki bokomi ko vivre yango lelo na Afrique Afrique za ndenge nini po na bino en fonction na maloba ya Simon Kimbangu. Ouais, merci encore une fois, je veux commencer d'abord à répondre la dame. En fait, Simon Kimbangu, on a bien dit, Simon Kimbangu, c'est l'envoyé de Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'il est Dieu. Simon Kimbangu, Azanzambe, Teponzambe, on a un niveau Moussousou. Très bien. Bisso, tout ça va envoyer Jésus-Christ, qui est envoyé de Satan ici-là. On diminue Azala, envoyé à Satan, à Tomola Mansapi. Mais grand prêtre Simon Kimbangu, à qui envoyé Jésus-Christ, le col a Bisso tout. Mais. Inspiration, message à Dzoy en Zambé, à Pessaye, puisque à Botama, à qui baptisé dans Kimbangiste, à qui baptisé dans l'église, à Oyo, puisqu'il était baptisé. Bah, Botaya qui n'a pas mené, bah, là, tu sais, bah, couche, à côté dans l'église protestante, à Dzoy baptême, après ça, à Dzoy inspiration, Moussousou, Yako, valoriser Posomoyindo, c'est ce que je voulais dire. Qu'on valoriser comment? À l'aube, un jour, on a un message au Zoé déjà. Puisqu'on était commandé que par les blancs. On a la commando, bah commande quoi. Donc on a tant, on a beaucoup de gens, on va commander. Bah tout, bah maire, je peux dire. Donc chaque pays a qui connaît ma maire, on a tant. Bah mindele kaka. Vu à l'aube, non,
ils ont continué à m'indeler. Puisque moi, une mongote à Zagan, à Tona, mère n'a pas pour toi. Donc ça ne marche pas. Il faut bien se tout zoga déjà. Tout zone net bon, ben avec une gébanchique pour le but de la cadre, vous avez une place. Aujourd'hui, on a valorisé la venue Simon Kimbango au Congo. Pourquoi? Parce que ma Kamboto à l'Oba et Salema. Vous voyez, donc si je veux conclure, en Zambété, mais qui prophète, à prophète comme JMG, à qui prophète, y a pas Mindo, comme les Abraham, les Moïse et tous les autres. Très voilà, bien. Mais il n'est pas Dieu. Très bien. Ouais. Avant que Christella intervenir, dès qu'on a vu ça, ça n'allait pas au bas. Rapidement. Je constate, en fait, tous les comprends, tous les comagati. En fait, regardez un peu. Après Dieu, il n'y a personne. Même le Jésus là, c'est de même dimension en fait avec les Simon Kimbangu ou les bouddhistes. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, non. Laissez-moi le temps d'évoluer. Après Dieu, aucune personne a créé des créatures. Cela signifie nous tous, le Jésus, les Simon Kimbangu, les Mahomet, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Sur ça, en fait, il faut que vous voulez que nous Simon Kimbangu à prêter. Donc, à niveau, il faut que matcher à niveau. Et puis, certes, chacun de nous a fait ce que Dieu lui a envoyé de faire. Cela signifie, c'est pas de la même façon que Jésus-Christ devrait servir ce Dieu-là ou Simon Kimbangu devrait servir ce Dieu-là. Même le moi-là, envoyé spécial, envoyé stratégique, il y a bien jamais. Dieu, en fait, une autre façon de servir ce Dieu-là. Alors, quand vous voulez faire une comparaison, Jésus a l'équipe tel, Simon Kimbangu a petit frère tel, Tewana Ponanga, en fait, je suis contre. Ponanga, Jésus-Christ prêtre, Simon Kimbangu prêtre, Ngagi Muzungu prêtre. Nous sommes tous les créatures. Regardez, il y a un ouvrage au fait que j'ai toujours aimé au fait de faire la lecture de André Soussan qui nous dit un homme d'honneur ne fait pas ce qu'il veut, mais c'est le vouloir de ce que l'on doit. C'est un ouvrage, le dessin exceptionnel d'un enfant de la brousse. Donc pour moi, au fait, il y a égalité. En fait, moi je ne dois pas en fait, me faire strictement inférieur aux autres. C'est parce que. Non. Moi, pour moi, Simon Kimbangu, c'est un grand. C'est pas l'envoyé de Jésus-Christ, c'est l'envoyé de ce Dieu. En fait, moi, je préfère dire l'envoyé de ce Dieu-là. Mahomet, envoyé de ce Dieu. Jésus-Christ, envoyé de ce Dieu-là. En fait, mais chacun de nous fait son travail par rapport à lui. Moi, je ne peux jamais faire, en fait, peu importe le grimace dans mon kilio, je ne peux jamais faire ce que Jésus-Christ a fait. Et puis, ou Simon Kimbangu, on ne peut jamais faire ce que nous avons fait. Mais pour nous, la spiritualité, bah, l'équipe est sur le même niveau. Donc, bah, pour nous, bah, Jésus, bah, Simon Kimbangu. Nous, on applique surtout Fiona prêtre. Très bien. Alors, oui, mais bien avant, oui, justement. Mais il y a quelque chose à dire, justement. Il y a quelque chose à dire aux téléspectateurs. Vous avez entendu ce que notre frère a dit. Vous qui pensez que les sapeurs ne lisent pas, que les sapeurs ne consultent pas des livres, vous avez entendu. C'est des intellectuels comme nous. Intellectuel, c'est celui qui réfléchit, voilà, qui travaille, fait travailler sa réflexion. Alors, rapidement. Oui, je me présente. Innocent douleur, je suis contre le mot qu'il a dit. Je crois que c'est moi qui Kimbangu. Je ne l'ai pas connu. D'abord, je suis Camerounais. Donc, si aujourd'hui le nom de Simon Kimbangu retentit dans les oreilles des gens, ça passe des bouches des gens pour arriver dans mes oreilles, ça veut dire que c'était un serviteur de Dieu. Il a été envoyé de Dieu pour l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Bible qui a été écrite, qu'on lit là, la Bible que les sœurs sont en train de dire là, c'est une Bible écrite par les Blancs. Mais il fallait que Dieu aussi, dans son économie, puisse avoir un Africain qui va prendre la charge de pouvoir amener les gens à comprendre. Parce qu'avant que les Blancs arrivent pour venir coloniser l'Afrique, les Africains priaient, ils confiaient avec la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, quand les Blancs sont venus, ils ont amené la Bible. Quand ils amènent la Bible, aujourd'hui, on a des objets d'art qui ont été pillés par ces Blancs qui sont venus ici avec la Bible. Ils ont pillé les objets d'art qui étaient des pouvoirs. Parce qu'il y avait des familles qui étaient, si tu es malade, on te dit, va seulement toucher le truc là, allez, tu vas guérir. Ils ont pris ça, non, ça, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas ça. D'accord, ils ont amené ça. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir amener ça. Ça devient comme si c'était des objets qu'on a mis dans le musée. Maintenant, pour lui qui dit que Jésus-Christ et Simon Kimbangu sont au même pays, moi, il dit non, c'est archi faux. Parce que Simon Kimbangu est mort. Si tu vas creuser la tombe de Simon Kimbangu, tu vas trouver les ossements de Simon Kimbangu. Mais Jésus est mort. Il n'y a pas dans sa tombe, il n'y a pas d'ossements. Ça veut dire que l'esprit de Dieu habitait complètement dans le corps de Jésus-Christ, qui est venu puisque le monde a été chuté par le péché à Éden, qui était le sang. Maintenant, le sang des veaux, le sang des agneaux ne pouvait pas, ça peut pas avoir la même capacité que le sang de l'homme. Maintenant, Dieu était obligé de prêter un corps, parce qu'il faut que les gens comprennent, la Bible est compliquée. Dieu était obligé de prêter un corps qui était le corps de l'enveloppe de Jésus-Christ. Dieu lui-même est entré à l'intérieur. Parce que si Dieu dit que
celui-là est mon fils bien-aimé. Hein? Écoutez-le. Jésus va dire à ses disciples que si on dit, mais où est le pays, mais si vous ne m'avez pas vu, vous êtes avec moi tous les jours. Le Père et moi sont un. Mais comment? Moi, je suis ici maintenant, mon fils à la maison. Si on demande à mon fils, on me demande, mon fils, ton père, il va dire que non, il est à l'émission, à la diative. Mm-hmm. Il ne va pas dire que le Père et moi sont un. Mm-hmm. Ça veut dire que Dieu était dans le corps. Puisque Dieu est esprit, il ne peut pas venir acheter le monde là mm-hmm. par un péché qui est passé à l'Éden, par le sang. Comme ça dans l'esprit. Très bien. Là, je pense que voilà. Merci. Donc je pense que. Je vais répondre à notre. Mais pardon. Oui. Il y a mon frère qui voudrait dire quelque chose. Oui, allez-y. Arnaud du Japon. Oui. Je termine pour répondre à notre papa, à monsieur dont le nom m'échappe. Lorsque vous dites Jésus-Christ, Simon Kimbangu, ils sont non. Au même pied d'égalité. Non. Qu'est-ce qui se passe, Simon Kimbangu, vous et moi, que ce soit Mahomet, que les gens prient, nous sommes des créatures. Nous avons été tirés de la terre. Comme monsieur ici a dit, que lorsque nous allons mourir, cette chair-là va retourner à la terre. La différence avec Christ, c'est que Christ, il est la parole. Si bien que les gens sont dans la confusion, Christ n'a pas été créé comme vous et moi. Christ, c'est la parole de Dieu. Oyo et latin zoto. C'est bien qu'aujourd'hui, si nous allons, la Bible même dit que Christ est mort et ressuscité. Il n'a pas de papa non plus. Il n'a pas de tombeau comme. Donc, c'était juste pour éclairer, pour dire que. Yé Azali Liloba. Oyo et latin zoto. Donc, Azali Loko Langaï Nayote. Très bien. Oui. Arnaud du Japon. Je me présente Arnaud du Japon. Le jeune sapeur, le plus grand meilleur sapeur, les jeunes de la nouvelle génération. Pour Nangaï, la période, la botami, la monisme qui m'a goûté de me son vivant, mais il y a quand même histoire. Et à part la sape, que j'avais à l'école, l'université, j'ai fait histoire et égyptologie. C'est moi qui m'bangou, le coup de Nangaï sapeur, Gimbuzungalabi, vraiment c'est faux, la contredire, tu tiens au même niveau de Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a une mission pour nous sauver l'âme de la. Parce que Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons dit que 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 nous avons dit. Donc, pour nous, c'est moi qui m'en ai dit que je suis révolutionnaire, je suis un révolutionnaire, et il y a une histoire à l'Égypte, parce que le coup d'année était au fil de Benga, à Zali, à Cheikh Kanta Diop, pour nous, nous avons dit que 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 et va arriver comme ça, c'est africain. Mm-hmm. Parce que Obinga dit un pays sans histoire, c'est pas un pays. Les Africains doivent reconnaître l'histoire afin d'évoluer. Mais mm-hmm. de celle égyptologie, tu comprendras que l'Égyptien bah, est noir. Mm-hmm. Si on s'en bat, c'est banane dans la carte Afrique, ah, la carte Égypte. Mm-hmm. Et l'Éthiopien bah, qui est excessivement noir, décale, tout va prouver en gros. Thalès, c'est vraiment bon. Donc, si moi qui me dis que je suis Kambouana, il fallait arriver africain, malgré Bindele ni Bazouak en Afrique, ah, ouais. Bon monde avant supérieur on a bisoté tu as deux mains, tu as deux mains, tu as conscience sur mon corps, tu as deux pieds, donc tu ça là du coup on est bon ça là. Donc pour n'engager que tu ailles au niveau du Seigneur Jésus Christ, vraiment la contredire en gros, vraiment très bien. Bangui ça t'est mis à voir tu peux tenir aussi de lui voilà na ligne là bas qui salit sous sous besoin à bien bino bas téléspectateur yaza sa peur à sa l'égyptologie. Bon père saka bango respect. Bon mon abango le col abateau yoba soukite. Non, qui s'apologie et zali passion na bango. Mais kasi na mutu maïe les ali. Alors. Moi maintenant j'aimerais juste. Oui. Dire mais dès qu'on a biso na papa on est dans l'obité. Oui. Non. Ah. Moi je suis juste sur le point. Excusez-moi. La question de Monsieur Dixon c'était concrètement. Je dis là, concrètement donc. Quelles sont les choses dites par Simon Kimbangu qui aujourd'hui se sont réalisées? Et jusqu'à présent, je ne trouve pas de réponse à cette question. Je vais te répondre très rapidement, Christella. Quand je faisais des recherches sur Simon Kimbangu, moi j'ai découvert, parce que j'ai vu sur Internet, qu'il a eu à prédire que la colonisation allait prendre fin. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont lu ça, mais moi j'ai lu que lui, il avait dit que la colonisation plutôt, et effectivement, nous ne sommes plus bien que c'est qu'elle les a, bien que quelque part, mais ce n'est plus comme on attend. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, il avait prédit et aujourd'hui, ils allaient sous-souter. Voilà. Mais entre-temps, pour répondre à Guy Muzungu, Saint Muzungu, d'abord, Kodzwa, Jésus-Christ, au bien est prêtre. Donc Jésus a prêtré. On est à niveau mon sousou. La prêtre a battu tout le monde en avance là.
alors moi tout connais ils ont brillé quand tu bois tout ça quoi quoi tu je suis baba prêtre juste à cause de la prêtrise quoi ça veut dire que niveau mon sous souvent niveau élevé donc voilà donc Dieu puisque la Bible a bien dit qui voit le Fils voit le Père donc quand Jésus était c'est lui-même qui était là mais nous avons tiens mon tour à salir vieux prêtre ça c'est moi qui mange parce que prêtre prêtre Abraham prêtre Moïse mais Jésus Christ d'avoir vu à sa terre un vieux ti je me présente d'abord, ça c'est 1025. Je me présente d'abord. Maintenant, quand je vais parler du temps, il est connu sur le bagno. Ah, tchaye, Jésus qui s'en a. Niveau moro. Il y a qui pour na l'Afrique, agna il l'obama ko sadir, ako tia il l'obama pour na potaye moi il l'obama ko mesadir mais na ba to oyo ba l'obama qui dit ah moto aye pour na potaye biso tout ça c'est comme une rito tout éliminé mais il y a qui pour na ko fongola biso ba congolais ba africain na ko fongola biso que il l'obama yanzambe tout t'as bien mais na ba tout ce bas ko contredire que nos magno aye bita aye bita non. Mais hein, c'est que, il y a qui m'a dit, vraiment, na, par rapport à parcours na il y a qui m'a dit, pour élever Bissot, pour tout l'Anda, il y a un Zambi. Très bien. Alors, Oui, je me présente, c'est Maxime Pivot Mabanza, le grand styliste, modéliste, et le conseiller vestimentaire. Vraiment, je suis très ravi. Parce que, je l'ai toujours dit, le sapeur, c'est un messager de la paix. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui ce matin sur ce plateau avec mes amis sapeurs et avec vous les journalistes. On est en train de parler de Simon Kimbangu, un grand prophète africain. Donc, pour dire que aujourd'hui, quand tu es un sapeur, il faut d'abord reconnaître Dieu. Parce que les gens ne pensent pas que les sapeurs ne prient pas. Non, les sapeurs prient. Les sapeurs prient. Si aujourd'hui, ce matin, nous sommes là sur ce plateau, c'est grâce à lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu le Tout-Puissant. Donc, on doit toujours le remercier. Donc, je peux un peu évoluer. Je dis que Simon Kimbangu, c'est un prophète africain. Je le répète, c'est un prophète africain. Lui, sa mission, il était venu pour délivrer l'Afrique. Donc, on ne peut pas comparer Jésus-Christ, qui est le Dieu le Tout-Puissant, et Simon Kimbangu. Donc, pour moi, je dirais ceci. Jésus-Christ est Dieu, et Simon Kimbangu, c'est un prophète. Merci. Très bien. Alors, il y a un monsieur qui le seul contre tous. Il n'est pas seul contre tous. Ah, d'accord. C'est un débat. C'est un débat, en fait. On peut l'expliquer comment ça se fait. Merci. Très bien. Merci maman. Tu as besoin de rapidement. Après, tu as besoin de En fait, c'est que vrai.
ça me fait un peu mal, en fait, quand j'entends mes frères, quand je veux les transmettre la dite connaissance. Regardez, nous sommes dans la divinité. Mm-hmm. Dans la divinité, en fait, ne faisons pas en fait, la théorie qu'on vous a appris à l'enfance, et puis vous voulez, en fait, c'est une connaissance, certes, mais essayez de les développer, en fait, au-delà de cela. Parce que je constate que non, ils sont, en fait, quand ils parlent là, ils trébuchent, en fait, par rapport à l'appellation de Jésus-Christ. Alors, c'est un grand débat. Mm-hmm. En fait, moi, Lila Muzungu, je dis ceci, la dite personne qui disposera le temps de faire un débat réel sur cela, moi je serai prêt de le faire. Très bien. Moi je voulais. Parce qu'en fait, je constate que non, ils ne sont pas explicites, en fait. Ils parlent que non, le prophète c'est lui, il dit encore c'est le Tout-Puissant, il dit encore c'est lui le Christ. En fait, je ne comprends pas. En réalité, nous on parle en fait par rapport à la prophétie. Jésus-Christ a fait ses prophéties. Mais regardez un peu, quand vous voulez juste en fait que Simon Kimbangu soit de l'Afrique. Mais la mission réelle de Jésus-Christ était claire, c'est juste de libérer les enfants d'Israël. Moi, je ne sais pas, l'Israël, ce n'est pas le monde, mes chers amis. En fait, c'était Moïse. Non, c'est voilà. Jésus-Christ, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Lisez la vieille livre, en fait, qui est la Bible, dont, en fait, on vous a divulgué là, en fait, je ne sais pas. Moi, je sais ce que je dis. J'ai une connaissance, en fait, sur ça. Donc, si réellement, il y aura une personne qui voudra, qui sera disponible, qui voudra. Faire des débats avec moi, c'est ça. Très bien. Moi, il y a un autre qui là. Mais bien avant, on va prendre notre frère rapidement. Je vais conclure rapidement. En fait, de ce que vient de dire mon frère, d'après ce que je sais, d'après ce que tout le monde sait, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'y aurait jamais deux seigneurs comme Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité trois jours après. Et vous voulez le comparer à Simon Kimbangu. En fait, je ne suis pas. Je suis pas en train de parler de mal de Simon. Non, ça, je ne veux pas faire ce genre de péché. Par contre, à ce que je sais, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur, il n'y aura jamais de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Voilà. Je vais répondre par rapport à la prophétie de Simon Kimbangu. Caméra, pardon. Je vais répondre par rapport à la prophétie de Simon Kimbangu. Je vais répondre par rapport à la prophétie de Simon Kimbangu. Bon, le col à Makambo, il y a le bac qui surtout pour la Mindele. Ndenge, mané comme maltraité. Allô, bon Dieu. Oui, allô. Ouais, c'est le mystère qui passe. Oui, justement. Vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Ah, ok, naïf. Allô. Ok, on continue. Bon, par rapport à ma profession, vous voyez. À l'obaki, ne oyo et comme ça, manapia non exemple, beau comporte. Bon, le colai yabano qu'on parlait même, au moins même virus, COVID, malade, tout, yé naba professionnel à l'obaki, un jour, tu vois, je le comprends que Mindele balingi bisouté. Donc, mais bisouman quand on m'a même ba virus, monsieur Swawa, mingi, ba. Batin dans l'Afrique, parce que tout le monde il a Covid ou même en tant que pensa qui docteur Raoul micro a le bia virus en Afrique cause catastrophe là il y a puis que tout le monde sur mon akango donc Mindele soin na bango ezala ka biso ba africain il faut tous la carte à sa souffrance mon il même baba là de tout ou tout c'est même baga à ça le baga. Allô. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Oui. C'est ce qui se passe à la télé là. C'est juste, c'est en direct. Oui, c'est en direct. Oui, moi, ma question est simple. D'abord, pour le présentateur de l'émission, merci, monsieur Bongo. Ce que nous voulons que. Oui. Ma question. Donc aussi les sanoki noki. Donc nakosi les san des bons gars là par rapport à ma période de toujours traversée. Tout est là qui déjà à ça à le bagui tout. Et actuellement tout le monde comprend Mindele baningi bisouté. Donc c'est un peu ça. Très bien. Alors toujours pour sanamokiamokia na souka. Il y a émission oui. Oui je vais d'abord dire clarifier parce que quand on dit Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand Dieu commence à créer, étant esprit, il est Père. Quand il se manifeste dans le corps de Jésus, il est Fils. Maintenant, quand Jésus meurt, il dit, il est mieux que je me divinage au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. L'Esprit qui vous donne, qui vous dira tout, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un comme mon frère Guy,
qui peut dire que Jésus-Christ était au même pied d'égalité avec le prophète Simon Kimbangu. Ça me fait trop mal au cœur. Parce qu'on dirait qu'il ne lit pas bien les Écritures. Il faut lire les Écritures parce que quand tu vois, la Bible, c'est qu'on ne te dit pas. Hein? Il a dit, je vous enverrai des prophètes. C'est vrai. Mais il n'y a pas un prophète qui dépasse Jésus. Mm-hmm. Il faut faire attention. Non, lui, il dit au même niveau que Jésus. Non, il n'y a pas le même niveau. Non, non, pas. Ça, même non. Les Moïse qui ont fait, même les Élie qui sont partis, qui ne sont pas morts comme ça. Mais non, non. Et il venait pas. Bon, je vais savoir, est-ce qu'à l'église Kimbangu, il y a une autre Bible, et Kimbangu, ça, sa Bible, ou bien c'est la Bible de Dieu? On parle de Dieu là-bas. Moi, je ne sais pas si on parle. Est-ce qu'ils ont une autre Bible? Dites-moi. C'est la même Bible. Parce que Bible. Toi, dis-moi, parce que maintenant, là, si le prophète Simon Kimbangu a écrit sa Bible, qu'on lit là-bas, à l'église Kimbangu, dis-moi. Parce que s'ils sont au même pédagogie, on va les terminer. Et en dehors de ça, il n'y aura jamais un prophète qui va décéder et troisième jour ressusciter. Non, donc tout ça. Faut pas oublier qu'on dit que Simon Kimbangu s'est réincarné, si je ne me trompe pas. Au fait, donc tout ça, vous croyez à la réincarnation de Simon Kimbangu? Bateau va sauter la biseau. Bateau va sauter la biseau, sauf l'ingrédient intervenir. Et ça, nous sommes en train de nier le prophète Simon Kimbangu. Non. Simon Kimbangu, Aza, prophète, un grand prophète, respect pour lui, respect pour tout ce qu'il a fait. Mais, moi je conclue par là. Chaque pays a son histoire. Ce qui, on est là où on a la Bible, parce que c'est le petit naïe, le cousin, parce que le fond de l'église, dans l'Afrique du Sud, le loi, parce que c'est le tout, à ce moment-là, l'église, c'est le monde. Pour à ce moment-là, œuvre, au biso tout le monde, dans l'église. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme œuvre pour le loi de la Ningue Baza? Donc, ils attendent que Moto Sali, idéologiquement, soit bien à comment un niveau au Yanzambi. Ou soit, non, non, non. Jamais. Donc, Moto Toza n'a pas œuvre. Ce que de telle histoire, il y a l'Afrique. Moto a droit d'idée ou à Tchambamba, va libérer Simon Nelson Mandela dans la prison. C'était le président Denis Sassou Nguesso qui a beaucoup participé sur ça. Bisous tant que nous avons dit que 50 pour notre chine. Donc le président aussi c'est un prophète. Ou bien, par exemple, Assa et l'église. C'est pas ça. Il a inspiré le président Nabiso pour nous. C'est-à-dire qu'il a prouvé dans le monde que toi, tu es dans la prison. Bisous, mon corps a mis une autre chose. Voilà. Donc c'est un peu ça. Simon Kimbangu, c'est un grand prophète. À ça là, à formuler biso miso biso amiindo. Alors bah tu dis non, je suis seulement pour les Kimbangis. Non, c'est un prophète noir, un grand prophète noir. Mes respects à Simon Kimbangu, un grand prophète noir. Très mais bien. Jésus, c'est très bien. T'as commis quasiment na souka y a émission à biso. Mais rapidement, est-ce moi, que j'ai quelque chose à dire. Oui. Je peux. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, il y a une pensée ou plutôt quelque chose qui se dit très fort chez nos bien-aimés, les Kimbanguistes. Simon Kimbangu, cet esprit des Africains. Pour notre monsieur qui demande, je ne sais pas, des preuves tangibles ou s'il faut faire la nuance entre Christ et Simon Kimbangu. Alors, permettez, je veux parler sur le Saint-Esprit parce qu'ils disent qu'il est le Saint-Esprit des Africains. Alors, le Saint-Esprit, encore appelé Paraclet, esprit de consolation, etc., de l'hébreu Roua, qui signifie souffle de Dieu, commence dans le premier chapitre de la Genèse. Du grec Pneuma, qui signifie le souffle ou l'air, correspond également. Donc, ça va de pair avec la définition qu'on a lue au début. Quand je parle de ces définitions-là, il s'agit d'esprit. Ce n'est pas quelque chose de tangible. Ça n'a pas de corps, ça n'a pas de chair, ça n'a pas d'os. Ça n'a pas d'eau plutôt. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. Et en tant qu'esprit, il vit à travers un corps physique. Il a besoin d'un corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le souffle de Dieu rend les gens capables. Oui, c'est comme notre monsieur ici a dit, Simon Kimbangu, c'est quelqu'un que le Seigneur a utilisé pour chuter faire rapidement, des choses. Allez-y rapidement. Oui, je finis. C'est quelqu'un qui a été utilisé pour faire des choses. Mais dire qu'il est le Saint-Esprit, je suis vraiment, vraiment désolée. Très bien. C'est plus compliqué quand ils disent que c'est le Saint-Esprit des Africains. Des Africains, c'est comme si... On dirait souris, le reste du monde, peut baser à Saint-Esprit. Comme a dit le monsieur, emmenait le racisme dans la région. Alors, non, ils ont raté. Voilà, Alexis Bongo, vous avez quelque chose à dire? Non, moi je... Il a été neutre. Oui, bien sûr. Bissot de profiter de Tokuti, on a vu sa sapeur. C'est vrai que la problématique posée ici, ils ont l'accès que personnage, il y a Simon Kimbangu, Azali, diversement apprécié. Tout le monde dit que pour la plupart, Nangaï, à cause de ça, la lecture, tu comprends facilement
Jésus-Christ, hein, en tant que fils de Dieu. Maintenant, la personne de Simon Kimbangu, il faut faire très attention. Tu as casé une Simon Kimbangu est à mettre au même pied d'égalité que Jésus. Bon, ben, Bissot, ben, c'est choqué Bissot. Donc, reste à savoir, ce qui est Kimbangu, c'est Yebeli Kimbangu. Mais on sait que chez eux, là-bas, ils disent aussi que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que le débat est ouvert. Ou ils en ont qu'à première partie. Mais on va trop peut-être dans la deuxième partie, ça peut être aux alatés. Ok. Qu'est-ce que là vraiment, pour dire un truc rapidement, dire, moi, je suis un abola. Je suis un voyage à l'étranger, grâce à l'avion. L'avion est un Et du coup, quand on a atterri à l'aéroport de Mayamaya, quand on est arrivé, tout le monde dans l'avion a dit « Ah, merci Jésus !» Ah, Jésus, Jésus, même les pilotes ont dit merci Jésus. Donc, après, on a compris que ah, la carte sur mouton dirait il y en a là comme encore, il sait toujours mouton reconnaître que Jésus est un grand maître. Très bien. Ouais, ça, c'est un témoignage. Ben, moi, pour ma part, je me sens très ravie, vraiment très ravie d'avoir partagé ce moment avec tous les sapeurs, avec chaque personne ici présente. J'en sais plus à présent sur ce que les gens pensent réellement sur Simon Kimbangu et comme papa Alexis a dit. Malheureusement, peut-être dans la deuxième partie, ils ne seront pas là, mais au moins, le débat reste ouvert. Et vraiment, j'ai apprécié ce moment avec vous et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce moment. Très bien. Est-ce que Moutomoussousou, Anali Kambouakouba, qui s'est rapidement Bon, pour moi, je dirais ceci, vraiment, c'est une grâce. Et c'est une grâce, je l'ai toujours dit, c'est une grâce, nous les sapeurs, Dieu nous a inspiré de s'habiller. Si on s'habille comme ça, pour montrer aux gens que c'est vrai que nous sommes propres au fond de notre cœur. Donc, je dirais ceci, les sapeurs, vraiment félicitations, parce que j'ai écouté tous les sapeurs qui ont parlé, j'ai senti que parmi ces sapeurs, ils reconnaissent que Dieu Seigneur Jésus-Christ, il est là avec nous. Et Simon Kimbangu, c'est un prophète. Donc c'est pour cela que je lance un appel à tous les sapeurs de 12 départements de notre beau pays, le Congo, Brazzaville. Il faut prier, il faut à l'église, il faut aller à l'église, il faut reconnaître Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, on va aller loin. Et il faut reconnaître aussi Simon Kimbangu, c'est un prophète qui était venu pour sauver l'Afrique. Donc c'est ça. Pour moi, c'est un grand plaisir, vraiment. Très bien. Que Dieu bénisse le Congo et Dieu bénisse vraiment votre émission. Très bien. Amen. Alors, Tokomi, chers téléspectateurs, Tokomi Nasuka, il y a émission Nabisso. Je pense que Bokozala, la prochaine émission, Convergence et Révolution culturelle, lundi prochain, Toko parler du Soussou, na Simon Kimbangu. Yango te pesibino, te suite bino, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci.